ce matin, c'est une journée excitante parce que on s'en va louer une voiture, puis on va aller visiter un bateau. Bord, puis on a frappé un haut fond de plein fouet. Hey, on voit le fond! Mais heureusement, Éloi n'avait pas mis il avait enlevé la clanche. Il y a comme une clanche que tu peux enlever, puis ça fait que si jamais tu frappes quelque chose avec le pied de ton moteur, ben il va lever au lieu de subir le coup. Fait que ce qui est bien, c'est qu'il a juste levé. Fait que c'est vraiment pas grave. Maintenant, faut qu'on sorte d'ici! T'es fait avoir. Ouais. Ah ouais, il pousse. Au moins, c'est le sable. Ouais. Ah, c'est pas mal. On voit le sable. Ce qui est encore plus drôle, là, c'est que là-bas, il y a un bateau de Towboat US qui est une compagnie de remorquage aux États-Unis vraiment connue. Puis ils sont là juste parce que, par prévention, parce qu'il doit y avoir vraiment plein de monde qui s'échoue ici, parce que c'est vraiment un énorme au fond. Fait que, on s'est fait avoir. Ah ah! Les rouges à droite! Red, right, return! Il y a un aspect de la vie en voilier que j'adore. C'est l'appropriation d'un nouveau quartier. À chaque fois qu'on se déplace d'un mouillage, on découvre une nouvelle petite ville, puis on s'approprie des chemins qu'on aime, des petits cafés, puis des bancs de parc. On devient routinier de passage, et on finit par créer un lien d'appartenance. Stuart, c'est une magnifique petite ville. C'est cool parce qu'on peut accoster notre dinghy gratuitement, puis on y retrouve des gens hyper sympathiques. Autour d'une partie de la ville, il y a même une promenade sur le bord de l'eau. On aime bien aller se promener là, au coucher de soleil. Puis ça, c'est notre spot. C'est notre petit banc. C'est un bon spot pour discuter des voiliers qu'on magasine, puis peser les pour et les contre. Manger nos burgers puis aller marcher dans le coin du pont. Ouais, ce serait cool. Bonne idée. On est en Floride, on est à Stuart. Et on est aussi en constante recherche sur Internet. On regarde à peu près 3 ou 4 fois par jour les voiliers avant. Mais je passe vraiment trop de temps là-dessus. Je deviens un peu zombie. Pour voir toutes les deals qui sortent. Ça fait longtemps que je regarde les voiliers à vendre pour avoir une idée du marché. Mais là, c'est ça. On a hâte de voir c'est quoi qui peut se développer dans les prochains mois. Pour l'instant, c'est tranquille, donc on passe beaucoup de temps à bord. Mais on a hâte de vous montrer
des visites de bateaux. Ouais, c'est ça le plan, en fait. C'est ça qu'on a envie de faire pour la chaîne. Bon, fait que ça a l'air que ce soir, je vous montre comment qu'on fait des hamburgers sur le Galway Bay. En fait, nous autres, à travers les années, on est presque rendu végé. Simplement parce que de la viande, c'est cher, puis ça se garde mal dans le frigo. Qu'on a décidé de, souvent, on achète du tofu à la place, ou on achète, comme par exemple là, pour les hamburgers, j'ai des boulettes végé à base de soya puis de portobello. Ils sont vraiment bonnes, en passant, vraiment bonnes. Ce que je fais comme accompagnement dans le hamburger, c'est que vu qu'on a du temps amplement sur un bateau qu'on peut cuisiner aussi longtemps qu'on veut, ben, je prends le temps de faire des oignons caramélisés. Fait que juste, je fais dans mon chaudron, je fais juste mettre un petit peu de beurre avec un oignon complet coupé en gros morceaux. Je mets ça dans le chaudron pendant une demi-heure. Et à la fin, toute fin, je mets quelques gouttes de vinaigre balsamique. Puis là, ça fait des oignons caramélisés de feu. C'est vraiment, vraiment bon. Après ça, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une guacamole. Vraiment simple. Fait que je fais juste défaire l'avocat en morceaux. J'ajoute de l'ail, de la coriandre fraîche, du jus de lime, sel poivre, tout simple. Et puis, sinon, le fromage que j'ai dans le frigo. Fait que là, aujourd'hui, j'ai du fromage suisse. Ben, ce coup-ci, j'avais envie d'essayer les tomates séchées. Fait que je peux mettre des tomates séchées. Un peu de verdure. Fait que là, j'ai un mélange d'épinards puis de chou kale. Puis, ça donne vraiment, vraiment un bon résultat. Je vous suggère fortement d'essayer ça à la maison, si ça vous tente de tourner vos hamburgers vers quelque chose de plus végé. Wow! Wow! Ça te l'air bon, Éloi? Oui, vraiment. On veut le test d'Éloi. Ce matin, c'est une journée excitante parce que on s'en va louer une voiture, puis on va aller visiter un bateau. C'est hot, hein? C'est la première fois qu'on fait ça. On est assez optimiste. On est vraiment... On s'en va voir un bateau dans un style vraiment différent de ce qu'on aurait pensé. Et ça, on se lève tôt parce qu'on a 2h40 de route à faire pour se rendre l'autre côté complètement de la Floride. Fait que c'est tôt, café est presque prêt, puis on va aller sur terre chercher notre voiture. C'est excitant, on n'a jamais fait ça. Jamais fait ça, acheter un bateau. Ok. On est où en ce moment? On est à Fort Myers, on est sur le bord de la plage, puis pour vrai, là, c'est full. Ben, tu sais, il y a le coronavirus, mais c'est vraiment coloré comme place. Il y a plein de magasins, il y a plein de petits restos. C'est vraiment, vraiment charmant. Ça me donne envie de venir ici avec le Galway Bay. Pour vrai. Ça, c'est le bateau. C'est un Canadian Sailcraft Merlin de 36 pieds, 1989. Les Canadian Sailcraft, c'est des bateaux très bien construits puis assez populaires au Canada. C'est des bateaux qui sont reconnus pour leur performance à voile, puis c'est un voilier un petit peu plus léger que la moyenne des bateaux qu'on regarde en général. Ça, c'est en dedans. Comment tu le trouves, Anna? Seigneur, c'est grand! Ah ouais? Plus grand que tu pensais? Ben non, mais tu sais... Ça, c'est la cuisine. C'est tellement gros! Le four, il est énorme! En effet, il est vraiment grand pour un 36 pieds. La cuisine puis le carré sont vraiment spacieux et jolis. La toilette est très grande puis le V-Bird suffisant. Test du lit.
Ben, mets-toi pour que je puisse... Est-ce que je puisse avoir? Ah ben, t'es... en fait, toi, t'es correct là? Moi, il y a même une cabine à l'arrière. Encore plus spacieuse que le V-Bert. Puis, t'aimes-tu la jupe? Ça, c'est cool. Ça n'a jamais été vraiment de quoi qu'on sentait obligé d'avoir puis qu'on voulait full, mais là, celui-là, il y a une jupe. Puis c'est vraiment un beau feature. Il y a même une douche en arrière. Et je peux me laver ici, devant tout le monde. Juste un coffre? Ouais. Mais il est vraiment grand. Genre, ouais. C'est tout le. Ouais, c'est juste. C'est vraiment grand. Puis ça, tu sais, ça va en dessous et tout. Il y a un coffre là. Okay. Puis de chaque côté, t'as des trucs qui ouvrent. OK. Avec des tanks. On trouve qu'il est listé un petit peu trop cher. Puis si on l'achetait, on aimerait ça le négocier quand même. Quelque chose qui pèse dans notre balance, c'est le défaut de fabrication commun chez les Merlin, c'est-à-dire la banquette affaissée à cause de la base du mât. Je m'aventurerai pas trop dans ces explications-là, mais chose certaine, c'est rien qui est dérangeant structurellement. Mais le fait que ça n'a pas été réparé encore peut être un bon facteur de négociation. Quelque chose en plus, les Canadian Sailcraft, c'est des bateaux qui sont très peu connus aux États-Unis et donc qui sont moins populaires. Et ça aussi, c'est quelque chose qui joue en notre faveur, parce qu'en quelque sorte, ça fait baisser sa valeur. On est allé voir un CS-36 Merlin et... Pourquoi on est allé voir ce bateau-là? Hein? C'est pas. C'est pas un bateau qui fait partie de nos recherches depuis le début. C'est un bateau qu'on aurait acheté comme pour. Il aurait été à un bon prix et ça aurait été un bateau qu'on aurait pu faire les Caraïbes, le golfe du Mexique, puis faire ça pendant un an ou deux ou peut-être trois ans. Faire des vidéos. Puis c'est un bateau qu'on se disait que si on fait ça, il va être facile à revendre parce qu'il y a une jupe, parce qu'il est moderne, il est plus... tous les équipements dessus sont récents et tout ça. Mais c'est ça. C'est un peu, c'est pour ça qu'on est allé le voir. Puis on était surpris, hein, il était vraiment beau. On l'a aimé quand même, tu sais. L'intérieur, il était vraiment grand. Il y avait une deuxième cabine. C'était une ambiance réconfortante. Je me serais vraiment imaginé vivre dans un bateau comme ça. Après ça, le cockpit était grand, il y avait une jupe. Et ce qui est vraiment cool, c'est que, tu sais, le moteur 2001 Yanmar 30 HP, les voiles étaient récentes, le gréement dormant a changé récemment, toutes les canevas, le Dodger, c'était tout neuf, les batteries neuves, les électroniques à jour, tu sais, il était vraiment, vraiment clé en main. J'ai rarement vu ça, autant clé en main que ça. Fait que c'était un gros plus, la facilité d'emménager dedans, puis de partir, puis de juste s'amuser avec. Puis je trouve ça quasiment plate qu'on... je trouve ça quasiment plate qu'on n'aille pas avec ce bateau-là, parce que c'est un bateau que j'aurais vraiment du fun à apprendre à le naviguer, puis je trouve ça... Ça a l'air vraiment d'un bon bateau. Ouais, ça avait l'air d'un bon bateau. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Puis c'est un peu ce qui nous est revenu après la visite. On a dit, ben il est cool, mais c'est pas ça qu'on regarde depuis le début. Fait que... On a envie d'attendre. Puis de voir si on peut pas trouver quelque chose de plus long terme, en fait. Mais on l'enlève pas complètement de notre banque. On va le garder. Ouais. On espère que dans les prochaines vidéos, on peut vous montrer des visites de bateaux qui ressemblent plus à ce qu'on cherche. Ouais, idéalement. C'est toi. Merci d'avoir écouté notre vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur « J'aime » puis vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple et gratuite de nous encourager. Sinon, on tient à remercier nos Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous faites une énorme différence dans cette aventure et on vous en remercie. Sinon, merci à Michel Perrier, Guillaume Ouellette, Pierre Lézan et Patricia et Jérémy qui sont nos nouveaux Patreons. Bienvenue parmi nous!